Salut à tous mes camarades, salut à tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne Africa Plus. Au passage, je salue le DG Valérie Aroka, sans oublier mes associés Berugué Apia et Davis. Soyez salués. Aujourd'hui, nous allons parler du virus, coronavirus, qui est en train de ravager le monde entier. Et j'étais arrivé en Afrique. Au fur et à mesure, le virus est en train de ravager. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Nous allons parler un peu du comportement des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous parlons de la santé de tous. Parce que si une personne est touchée, c'est la Côte d'Ivoire entière qui est touchée. Nous parlons de protection. On parle des précautions pour que nous soyons épargnés contre le virus. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens font du n'importe quoi. On dit simplement des porteurs, des cache-nez. On dit simplement de respecter le code d'hygiène, mais les Ivoiriens ne respectent pas. Vous voyez, dans les bacas, on parle de distance. Mais les mêmes Ivoiriens sont remplis dans les bacas. Sans oublier que quand vous montez dans les bacas, vous êtes remplis. C'est vous-même qui vous mettez en danger. C'est vrai, vous voulez partir. Vous voulez arriver à votre destination. Mais pensez aussi à votre santé. C'est très important. Nous luttons tous pour que aujourd'hui nous soyons sauvés. Mais j'ai l'impression que les Ivoiriens luttent pour que nous tous nous attrapons ce virus. C'est pas normal. Prenons conscience. Lavons nos mains. Portons nos gants. Portons nos casques. C'est très important. C'est ensemble que nous puissions arriver au bout. Mais j'ai l'impression que chacun fait du mode n'importe quoi. On est entassé dans les bus. On est entassé dans les couilles, on veut rien respecter. Et c'est lorsque ça va arriver tard, quand tout le monde va attraper, et c'est là qu'on va prendre conscience. Mais c'est pas normal. C'est pas une histoire de politique, de temps. C'est une histoire de vie. Au fur et à mesure, les contaminés augmentent. Ça veut dire que nous ne respectons rien. Nous vous demandons pardon. Parce que nous, les Ivoiriens, on s'aime tous. Voilà, il faudrait que nous respections un peu les consignes d'hygiène pour que nous aussi nous soyons sauvés. Donc c'est son petit message que Africa Plus voulait apporter à l'égard des Ivoiriens. S'il vous plaît, pardonnez, respectons les consignes d'hygiène. C'est très important. S'il y a un baka qui gare et les gens sont remplis là-dedans, ne montez pas. C'est vrai, tu es pressé d'arriver, mais ta santé est très importante. Vous comprenez? Donc c'est ce petit message que je voulais apporter un peu aux Ivoiriens pour qu'ensemble nous luttions pour qu'on arrive sur un bon point. Merci et portez-vous bien. Ciao.